Après des heures passées, jouer à essayer de monter le niveau de cette terrible arme qui venait de sortir dans le pass de combat de la saison 3 de Modern Warfare, Zack atteignait enfin son but. Zack atteignait son objectif, celui de pouvoir enfin transformer cette arme de merde en une divinité appelée le B23R. Mais avant toute chose, il était de bon ton, comme il en avait l'habitude, de regarder si cette vidéo ainsi que ce thème n'avaient pas déjà été abordés ailleurs. Quoi ? Il y a 2 jours ? Mais non, il casse les couilles, je le déteste. Mais malgré tout, je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas me laisser abattre. Le B23R, c'est mon arme, et vous le savez mieux que quiconque. Je l'ai prouvé, je l'ai montré à plusieurs reprises que celle-ci me représentait, que je la maniais mieux que quiconque, que personne dans ce foutu pays pouvait me regarder et dire « Zack, je suis un meilleur joueur que toi avec celle-ci ». Et ces efforts n'auront pas été vains, parce que malgré tout, j'ai décidé de faire cette vidéo, de la faire malgré tout, même si la concurrence l'a sortie avant. La concurrence fait 5 fois mes vues, mais c'est pas grave. Car aujourd'hui devant vous, vous n'avez pas quelqu'un qui veut jouer. Vous n'avez pas quelqu'un qui veut tordre du cul comme ça, tu vois, pour pouvoir essayer de proposer un gros gameplay. Non, aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui veut game, gros. Aujourd'hui, j'ai décidé de game, de faire une grosse partie pleine de kills, quitte à faire 35 morts, j'en ai rien à foutre. Je veux avoir un gameplay de rush, de cocaïné, un truc qui ferait rougir Pacho Herrera. Et le faire rougir pas parce que j'aurais tortillé du cul. Ah, cette petite blague, je sais pas si elle passe. Bon, maintenant, après avoir dit tout ça, il est temps de vous représenter la réincarnation du B23R de Black Ops 2. C'est parti. Allez, c'est parti. Ah non, 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 là, là, aujourd'hui, je vous le dis, j'ai envie de mettre du sale. Bon, j'avoue, sur l'intro, je me suis un peu lâché. J'avais un peu d'idées. Ça fait longtemps que je me dis que je vous ai pas fait une vraie intro kiffante où vous avez pu rigoler un petit peu, n'est-ce pas? Bon, attends, trêve de bavardage, là. On va alors rentrer dedans. Comme ça! C'est comme ça, monsieur! Aujourd'hui, au game, gros! Au game, j'ai dit! Tu vas où, toi? Oh! C'est la dame, mon pote, la dame! Ah ça, c'est du début de partie, mes frères. Attends, en plus, je dis game, game, mon game, mon game. Mes frères, aujourd'hui, j'ai fait que game. J'ai fait que game. Aujourd'hui, j'ai joué à Valorant, j'ai joué à CSGO, j'ai joué à Pokémon, frère, en stream. En ce moment, je joue à Pokémon. J'ai l'impression de retomber dans l'époque des geeks. Mais des vrais geeks, tu vois. Les gros boutonneux qui jouent à des jeux toute la journée. Tu vois, ceux qui ont pas de potes, qui font pas de soirée, qui ont pas de meufs, qui sont en surpoids. Ouais, j'ai fait une description un peu trop proche de moi, là. Je suis en train de tailler une personne, on dirait que je suis en train de m'auto-téter. Eh oh! Aujourd'hui on game! Ah, ils prennent cher, ils prennent cher, ils prennent cher! Je trouve ça trop lourd de tuer des Français. Trop satisfaisant. Ah, tu mourras pas! Allez, viens là! Ah, dommage! Eh oh! Oh 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 oh! Aujourd'hui, on game ou pas? Aujourd'hui, on joue pas aux jeux vidéo. Aujourd'hui, on game, mon frère. On game, cousin. Hein, cousin? On game ou pas, cousin? Cousin, on game, je t'ai dit. Je suis en train de faire preuve d'une telle polyvalence. Eh oh! Eh oh! Chacun reste à sa place, frérot. Le président, il préside. Le vrai joueur, il met des coups. Confiné, pas confiné, c'est pas ce qui m'intéresse. Putain, 27 kills, mon frère. On est bien parti, hein! Top killer de la game en jouant à la secondaire. Cette arme, vraiment trop mon truc. C'est quand même une arme qui a lancé... Oh, petit kill sympathique. C'est quand même l'arme qui a lancé ma carrière, hein. Dites-vous que le type devant vous a réussi à capitaliser sur une action dans un match de jeux vidéo. C'est un truc de ouf.
Et par le bas. Faut qu'il se replace, faut qu'il se replace. Dani, tu vas avoir un duel là à gauche. Il arrive à lui. Il vient de sa barre, attention, il sera à 239. Dani, faut que tu fasses le taf. Oh là 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 là. Tu nous l'as pas fait. Oh, il a repas à qui en plus avec les... Oh là 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 là, attention les guérisations. Soit 258, 259. Oh là là. La localisation des guérisations. Je t'allais faire un câlin d'ami. Mon dieu, c'est incroyable. Avec ça, j'ai chopé mes deux premiers 1000 followers. Mes deux premiers 1000. Vous inquiétez pas, j'ai une carte d'identité, les amis. Je ne suis pas venu ici hier. Je revendique d'être né dans ce pays. J'en revendique la nationalité et les valeurs. Grâce à cette action, j'ai chopé mes 2000 premiers followers Twitter. Le reste n'appartient qu'à l'histoire. De joueurs Call of Duty à parler de tub avec des mineurs le soir, le dimanche, à la radio. Découvrez son histoire. Là, j'ai enfreint la règle, j'ai pris mon arme première, c'est pas bon. Brigade du tunnel. Brigade du tunnel, monsieur, vous ne passerez pas. La brigade du tunnel. Allez, moi je te rush, la brigade du tunnel, frère. Un autre membre, un autre. Un autre challenger pour la brigade du tunnel, monsieur. Mais ils sont en train de nous détruire le QG, là, monsieur. Non. L'autre jour, j'étais en train de regarder un animé. Enfin, en tout cas, d'en commencer un, hein, qui avait l'air d'ailleurs excellent. Je commençais IQ, un manga de volley. Enfin, un animé de volley. Ça me rappelait l'époque où, quand moi, j'étais champion du Rhône, tu vois. Où je pouvais mettre des dunks et des smash dans les têtes des meufs en pesant 100 kilos à 17 ans. À 17 ans. À 13 ans. Mais je faisais pas 100 kilos non plus, on va pas forcer. Et à un moment, mon père, il rentre dans ma chambre, tu vois. Bon, il rentre et tout. Comme ça, il voit que je regarde ça, tu vois. Et là, il me fait la remarque fatidique. La remarque qui a touché mon ego. Il rentre dans ma chambre et là, les rebeux vont me comprendre. Il me regarde, il me dit Ketfarrshulmikiet. Bon, sous cette appellation un peu agressive, Ketfarrshulmikiet, on sait pas ce que ça veut dire. Ketfarrshulmikiet, ça veut dire tu regardes des dessins. Ça veut dire tu regardes des dessins animés. Non, plutôt dans le sens tu regardes encore des dessins animés à ton grand âge avancé. Mon premier réflexe, ma première envie, ça a été de lui dire bon, je t'emmerde. Sauf qu'évidemment, bah, c'est papa quoi. C'est un peu comme le confinement, tu vois, tu dois évaluer les risques et ce que tu gagnes. Bon, ce que j'y gagne, pas grand chose, les risques plutôt élevés. On a dit qu'aujourd'hui on était là pour game. Et il rejoignait le discours d'un pote à moi qui pour lui les animés sont vraiment genre des dessins animés, mais c'est-à-dire un peu, tu vois, genre c'est comme si je te disais Mickey Parade quoi, tu vois. Genre en gros pour eux par exemple l'attaque des Titans, SNK, c'est un petit peu comme si je te disais Scooby-Doo quoi. J'avoue que mon ego a pris un coup. 36 kills. On est là pour game mon frère. Tout frais comme ça, sorti du frigidaire, c'est Zach qui t'offre la mise. Je me suis bien amusé. C'était une partie fun. C'était une partie fine. Non, partie fine, ça, on va laisser ça à Dominique Strauss-Kahn. Bon, et voilà, les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous mettez un max de pouces bleus si vous avez aimé, je sais. C'est pas bien de réclamer, mais j'ai essayé de me dépasser pour vous faire rire et vous faire passer un bon moment. N'hésitez pas à activer la cloche aussi, parce qu'en ce moment, je vous cache pas, mes vues YouTube ont un peu baissé, tout ça. Il y en a pas mal qui me disent qu'ils ont plus les notifications. Ça m'affecte un petit peu, même si c'est pas dramatique. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à la prochaine, les frères. On se retrouve dans la semaine. Bisous.